Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc, je suis en train d'essayer de faire la même sur YouTube et sur Facebook. Donc, je voulais savoir comment ça va se passer. C'est la première fois de faire ça. Donc, je vais essayer de voir comment ça va donner. Est-ce que ça va tenir? Donc, comme d'habitude, soyez le bienvenu. Je m'appelle Sarah, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis coach en séduction. Je suis là aujourd'hui pour répondre à la question qu'on m'a été posée sur comment doit-être une femme. Donc, je vais commencer cette coutume comme c'est la première fois ici. On va aller tout doucement pour voir. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Donc, je suis en train d'essayer de faire... live sur YouTube et je vais essayer de faire ici sur ma page Coach Love, donc Sarah sur Facebook. Je voulais voir comment ça va aller, est-ce que je vais savoir le faire. Donc on va aller tout doucement jusqu'à ce que on va être à la hauteur. Comment doit-être une femme, c'est ce qu'on va partager, aujourd'hui. C'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet qu'on ne parle pas, on ne parle rarement. Et quand tu parles de ça, on te regarde ça autrement, on te regarde bizarrement. Donc, je profite dans cette occasion. Je vous dis vraiment, soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour votre encouragement. Donc, je suis sur YouTube et je fais la même temps sur Facebook pour savoir comment ça va aller, comment ça va marcher. Soyez vraiment les bienvenus. Je ne sais pas partager actuellement la vidéo. Je vais mettre après les titres. C'est comment doit-être une femme. Donc, avant que YouTube les bloque, Facebook, pardon, me bloque. Donc, les titres, c'est comment doit-être une femme avant la pénétration. Donc, soyez pas gênés parce que moi-même, je suis pas gênée du tout. Donc, soyez vraiment le bienvenu et partagez. Ça peut aider beaucoup de monde. Je vais pas rester très longtemps. Je vais juste aller droit au but. Je vais arrêter la musique pour donner mon point de vue. Donc, j'ai dit, je ne suis pas l'expert. Hein? Je ne suis pas l'expert dans la matière, mais quand même, ce que je connais, un peu de ce que je connais, je vais vous donner mon point de vue. Merci, Moti. Merci beaucoup, mais je te demande de partager. Bonjour, Rosie. Soyez le bienvenu. Tout ce que je vous vois ici, je vous dis soyez le bienvenu. Malheureusement, je ne vous vois pas sur mon PC. Donc, du coup, je vous dis soyez le bienvenu et partagez la vidéo. Donc, comment doit-être une femme? C'est un sujet, ça reste vraiment tabou.
surtout parmi nous les Africains, quand une femme parle de la sexualité, on voit ça que non, c'est une fille qui est vraiment déjà, on appelle ça quoi, elle est gâtée, donc elle est tarée. On dit souvent que non, elle est tarée, elle n'est pas bien dans sa tête, elle est bordel. On donne parfois le nom même, elle est bordel, donc voilà. Mais or que c'est quelque chose qui est vraiment très important, la sexualité, on n'enseigne pas ça à l'école. La sexualité, on n'enseigne pas ça chez nous. Les parents, on ne nous a pas dit, on ne nous a pas donné les conseils par rapport à la sexualité, mais c'est quelque chose qui est vraiment très important à connaître. Et quelque chose, on ne fait pas ça comme ça, n'importe comment, comme les gens font. Parfois, les hommes, les garçons, à l'âge de 16 ans, 17, ils vont aller sur des sites de pornographie pour commencer à regarder comment ça se passe. Or, avec ça, ils ont leur image. Les images là, ils vont venir avec ça à la maison quand ils sont grands et ils vont commencer à utiliser ça vers chez leur femme. Et quand ils vont utiliser ça chez leur femme, ça sera pas la même chose. Et la femme va se plaindre, va dire que non, j'ai mal ceci, j'ai mal cela. Et du coup, la femme va commencer à détester les rapports. Les rapports sexuels, beaucoup de femmes, ils détestent les rapports sexuels, non pas seulement qu'ils n'ont pas envie, mais seulement que non, l'homme qui fait, qui partage avec, il sait pas faire, il sait faire, mais pas bien, pas du tout comme la femme voulait. Et du coup, il y a cette honte-là de dire à son mari, oui, bébé, voilà, moi ici, je suis pas satisfaire, j'aimerais faire une autre chose. Hein, j'aimerais changer. Bon, tellement que nous, les femmes, surtout chez nous en Afrique, hein, les Africains, on a cette honte-là de dire, voilà, moi, j'ai besoin que non, tu me fais cette position, ou bien, moi, j'aimerais changer d'autre position. On a cette honte. Parfois, c'est toujours l'homme qui reste dominant dans la sexualité. C'est toujours l'homme qui va dire oui, la femme en bas, l'homme en haut, ou si la femme en bas, l'homme, et c'est toujours ça. Et on est déjà habitué avec ça. On est déjà habitué à ça et ça rentre dans notre tête et du coup on trouve ça normal. Or que c'est je n'ai pas dit que ce n'est pas normal, mais le changement ça fait aussi du bien dans une relation. Quand il y a le changement, ça donne aussi le piment. On sort dans la routine, on rentre dans quelque chose qui est positif. On rentre dans quelque chose qui est positif et vraiment, ça donne de piquant et de piment dans le couple. Donc, le coaching que je vais donner, les conseils que je vais donner aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on m'a envoyée, comment doigter une femme avant la pénétration. Donc, ne soyez pas gênés. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez, qui vient de nous rejoindre sur cette live. Et c'est pour les débutants. Ce n'est pas pour les experts, c'est pour les débutants. Donc, je donne le conseil, c'est pour les débutants. Comme à l'école, on ne nous enseigne pas, et à l'église non plus, et ou bien chez nos copains, on va commencer à écouter les copains. Le copain va te dire, oui, voilà, moi, j'ai fait ça à ma femme, à ma copine, et toi aussi, tu vas recopier ça. Tu vas revenir avec ça chez toi. Tu commences à essayer chez ta copine, et du coup, ta copine va te tester, elle va commencer à faire malin. Oui, oh non, j'ai des plaisirs. OK, la copine, elle n'a pas de plaisir, elle ne sent rien du tout. Et c'est comme ça, 2, 3, 4 fois, et puis elle commence à dire, non, moi, je n'aime pas les rapports sexuels parce que ce n'est pas bon du tout. Or, parce que l'homme ne fait pas ça correctement, et puis il n'y a pas la connexion. Avant de commencer, il faut qu'il y ait cette connexion émotionnelle. Dans toutes les relations, s'il n'y a pas la connexion émotionnelle, c'est quelque chose qui vraiment, ça rate. Ça rate vraiment. Il faut que cette connexion-là, connexion émotionnelle entre toi et votre femme, entre toi et votre ami, entre toi avec, je sais pas qui que vous allez partager votre vie, mais j'attire votre attention. Faites attention quand vous partagez votre vie. Parce que la sexualité, étant que les enfants de Dieu, on ne partage pas les corps avec n'importe qui. Avant de commencer, avant de donner ton corps à la personne, tu dois vraiment être sûr que c'est ton mari, que tu vas l'épouser. Vous serez jusqu'à la fin du monde. Donc, je donne pas mes conseils à n'importe qui. Si tu y es, ça va. Si, par exemple, vous êtes dans les fiançailles, je ne juge personne. Et je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas non plus saint. Je suis moi aussi
quelqu'un qui fait péché comme tout le monde. Et chaque soir, je demande aussi pardon à Dieu. Mais c'est entre parenthèses, vraiment faites attention quand vous partagez votre vie, votre corps avec une personne. Et cette personne doit être vraiment croyant, quelqu'un qui connaît Dieu. Et s'il n'est pas croyant, donc vraiment, c'est à vous de voir des choses vraiment. Bon, voilà, il faut qu'il y ait cette connexion. Ça, c'était les parenthèses différentes. Il faut qu'il y ait la connexion. Et cette connexion va vous permettre de préparer, de se préparer dans la journée, dans le reste des contextes. Et la sexualité, ça commence le matin. Ça commence à se préparer dès le matin. Dès le matin, tu commences déjà à te préparer pour ta femme, tu prépares pour ton mari. Et que non, je vais partager cette nuit avec ma femme. Je vais le faire quelque chose avec mon mari. On va jouer, on va s'amuser. Pourquoi j'ai dit dès le matin? Parce que notre cerveau, c'est vraiment le premier élément qui est vraiment qui stimule l'excitation dans le corps. Or que si par exemple on accepte ça dans notre cerveau que non, ce soir je vais partager ma vie et mon corps, pardon, je vais partager mon corps avec mon époux, mon conjoint. Vous allez voir que non, ça va être facile et ça va aller vraiment très 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 facile. Or que si d'abord, il n'y a pas cette connexion. Et puis, deuxièmement, s'il n'y a pas cette excitation de dire que non, je vais partager, j'aimerais moi partager ma vie, mon corps avec mon mari ce soir, il n'y aura pas ce plaisir qui vient là, il n'y a pas ça. Donc, il faut vraiment, il y a la connexion et la préparation. La préparation, toi, l'homme, tu dois préparer ta femme et la femme doit préparer aussi l'homme, puisque c'est l'homme qui prépare la femme, parce que l'homme, elle est trop excité de vue. Dès qu'il voit la femme, sa femme, il le voit juste nu, comme ça, tu vas voir l'homme, il est vraiment attiré et puis il va être bandé tout de suite, il va être excité, et voilà. Or que chez nous, les femmes, Dieu nous a créés différemment. La femme peut voir le corps de l'homme, même si tu es nu, mais elle n'est pas excitée, quoi. Elle n'est pas bandée, elle n'est pas vraiment là-bas. Il faut vraiment prendre le temps de lui mettre à l'aise. C'est ça, il faut la préparer le matin. Quand vous la préparez le matin, tu prépares ta femme avec des mots doux, avec de messages d'amour. Bébé, comment ça va? Bébé, qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as porté aujourd'hui? Est-ce que ça va? Bébé, voilà. Quel string que tu as mis? Bébé, voilà. Vous le faites, elle va commencer à deviner, voilà, j'ai mis ça, tu as fait ça. Donc, tout ça, c'est pour l'activer, à lui montrer que non, ce soir, je vais arriver au point là. Donc, quand la femme est déjà préparée, elle est vraiment prête dans sa tête, vous allez vraiment comprendre que ça sera facile. C'est la raison que vous allez comprendre que non, il y a certains hommes, ils vont dire, ah, moi avec ma femme, il n'y a pas cette connexion. Moi avec ma femme, je ne me retrouve pas parce qu'il n'y a pas la préparation, il n'y a pas la connexion. Donc, il faut la préparer et en plus la connexion. Et troisième chose, et ce que vraiment je demande, c'est l'hygiène. L'hygiène doit être vraiment, c'est important, merci. Bonjour Liliane, soyez les bienvenus. Bonjour Janice Combo, soyez les bienvenus. Bonjour Guy Adolphe. Oh, Tolito, soyez les bienvenus, partagez. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. Donc, s'il n'y a pas cette connexion, s'il n'y a pas cette connexion-là, donc s'il n'y a pas cette connexion, vous allez voir que non, comme je disais, j'ai perdu la file. Donc, ça sera un peu difficile. Donc, troisième chose, c'est l'hygiène que j'avais dit. L'hygiène est très importante. Très important. Vous allez voir que non, l'homme, il va faire quoi? L'homme, il va, ou bien la femme, ce n'est pas seulement l'homme, hein, ou bien la femme aussi, elle vient du boulot malgré qu'on l'a préparée, et elle va entrer dans la cuisine, après dans la cuisine directement, elle va, oh, je suis fatiguée, elle va aller au lit. Non, mesdames, vous devez prendre le temps d'aller sous la douche, prenez votre douche avec vos maris ou bien sans lui, et lui aussi va prendre sa douche. Prenez la douche parce que c'est très important. Je vous invite d'aller sur mon site, je vais mettre l'article en entier parce que j'ai écrit cet article, comment doter une femme. Et
avant la pénétration. J'ai pris le temps de lire les livres sur ça. Donc, je suis en train de dire, ce n'est pas j'invente, je n'invente pas. Donc, prenez le temps d'aller sur mon site coachsara.fr. Vous allez décharger, télécharger, lire cet article-là. Ça va vraiment vous aider. Et après avoir fini de se laver, prenez le temps de regarder, examiner un peu les ongles, vos ongles, là, les ongles des hommes. Est-ce que c'est propre? Les ongles, là, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est pas noir? Donc, si c'est trop long, il faut couper parce que tu risques de blesser l'appareil de la femme, puisque vous savez que non, l'appareil est très sensible. Donc, risque de les blesser. Donc, il faut couper. On conseille même, vous allez voir chez un médecin. Le médecin va te dire, pour faire doigter une femme, il faut que les ongles soient courts. Ça ne doit pas être long. Donc, il faut vraiment couper les ongles et veiller que votre main soit et qu'il soit vraiment propre. Et après cela, vous allez la possibilité d'utiliser Ébifiant. Et ce produit qui va aider est Ébifiant, si je ne prononce pas ça mauvais. Lubifrien, voilà. Mon bébé a tenté de me dire Lubifrien, il est là à côté. Donc, je ne suis pas seule, je suis avec mon mari. Donc, vraiment, prenez le temps de mouiller votre main avec ça. Vous mouillez la main, vous mouillez votre main avec. Et j'ai sauté. La chambre doit être vraiment ouverte. La chambre doit être avec un vent, donc bien, et température doit être une bonne température, bien, donc avant d'aller à la, au but du sujet. La femme doit être vraiment, après avoir la préparée, la masser ici, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit stressée, parce que si elle est stressée, ça va lui bloquer. Ça va lui bloquer et ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout. Donc, prenez le temps de masser votre femme et vous allez voir que non, prenez le temps de masser, prenez vraiment le temps, excusez-moi, donc on m'a appelé, donc prenez le temps de masser votre femme, donc prenez le temps de masser le matériel. Prenez le temps de masser votre femme et après avoir massé, elle sera vraiment libérée, elle se libère. Le temps là, quand vous allez voir que constater que non, la femme, elle est vraiment libérée, elle est vraiment dans le stade que non, elle n'est pas trop stressée, elle n'est pas tirée. C'est le moment que vous allez, ou bien vous mettez un petit chanson, musique, vraiment musique pour l'accompagner, pour l'accompagner et en même moment vous massez la femme, vous lui massez en même moment, vous lui parlez, qu'elle soit détendue, mais pas parler pour empêcher la femme d'être excitée, parce que l'envie est déjà là, et commencez à lui masser et finir à masser avec la chanson et vous lui parlez, vous lui demandez au fait ce qu'elle veut, ce qu'elle elle veut que tu vous faites quoi, parce que là actuellement c'est l'homme qui est dominant et la femme elle n'est pas dominante, c'est l'homme qui domine en fait. Là, actuellement, c'est l'homme qui est en train de dominer. Donc, après avoir leur massé, et la femme va ouvrir. Il faut la quatrième chose que je voulais vraiment, il faut que non, vous les hommes, vous devez connaître aussi là où ça se retrouve, l'appareil de votre femme. Est-ce que vous allez connaître le nom, faire un effort d'apprendre l'appareil génital de la femme, l'utérus, clitoris, le vulve et tous ces noms-là, vous devez quand même connaître l'endroit là où ça se retrouve, grand et petit. Donc, vous devez quand même commencer à connaître là où ça se retrouve pour bien, bien la toucher et aller jusqu'à là-bas. Donc, comme c'est Facebook, je ne veux pas commencer à aller au fond parce qu'on va me couper. Donc, il faut vraiment connaître, prenez vraiment le temps et votre doigt, allez sur la vulve quand vous allez connaître, vous allez aller tout droit vers la vulve
Et c'est sur la vivre qu'on va commencer à travailler. On va travailler et on va masser cette partie-là. Et cette partie-là, vous savez, comme nous, chez nous, comme j'ai dit, chez les femmes, ils sont vraiment très, 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 très lents à l'excitation. Et on va commencer à chauffer la vulve. On chauffe la vulve en lui caressant doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc, avec le mouvement. Donc, vous caressez vraiment avec vos doigts, vous caressez vraiment tout doucement la vulve. Vous le caressez jusqu'à ce que non, ça va être dur et jusqu'à ce que vous allez sentir que non, la femme même, elle est vraiment excitée parce qu'il faut 10 à 15 minutes normalement parce que ça prend le temps. Et en même moment, vous caressez, vous lui caressez, vous sortez en dehors, vous allez dans une autre partie sur l'utérus et vous descendez. Donc, vraiment, il faut connaître l'appareil de la femme pour faire ça. Et quand vous allez commencer, vous faites les mouvements en haut, en bas, et vous sortez, vous allez d'un autre côté, vous revenez, et chaque fois, vous allez sentir que non, elle est dure, quand jusqu'à elle est dure, donc là, ça veut dire que non, la femme même, elle a déjà besoin que son mari la touche, donc elle est dans le moment de stade, vraiment de l'excitation, et s'il y a déjà les gémissements, et s'il y a déjà cette mouillée, vous savez sentir que non, la femme, elle est mouillée, donc tout ça, c'est vous mettre dans la piste que non, la personne, elle est mouillée, et n'allez pas tout droit commencer à mettre, parce que les hommes, ils ont cette tendance de mettre tout droit. Tu embrasses seulement la femme et directement, tu mets les doigts là-dedans. Non. Prenez vraiment le temps de caresser la vulve. Et quand c'est vraiment, vous allez sentir que non, ça devient dur et vous passez sur grand lèvres et petites lèvres. Et après avoir passé sur grand lèvres et les petites lèvres, là, vous pouvez mettre deux doigts. Et aller avec ça doucement. On ne part pas avec ça. On ne part pas directement comme ça. Non. On part, je ne sais pas si vous voyez, on doit partir avec ça comme ça. On doit partir avec ça comme ça. Donc, les doigts doivent un peu plier, en fait. Parce que quand on plie comme ça, on va avec ça comme ça, on va aller toucher le point G qui est en haut. Et ça aussi, ça va exciter aussi la femme. Donc, et c'est là on va commencer à faire rapport pour toucher le point G. Or que chez nous, on fait comme ça, on commence à faire le va-et-vient avec... Non, on ne fait pas le va-et-vient avec les doigts dans les corps d'une femme. Ça fait mal. Donc, quand vous faites ça comme ça, donc ça, il n'y a pas le va-et-vient. Et vous allez vraiment chercher à comprendre là où il y a point G. Parce que le point G, elle est tout près des côtés de vagin. Tout près des vagins. Donc, côté de vagin périné. Donc, c'est tout près là. Donc, quand vous mettez vos doigts, vous avez la chance de sentir quelque chose un peu là-bas dedans qui est un peu gonflé. C'est le point G de la femme. Et là, vous allez continuer à les titiller et à les caresser. C'est là qu'on va commencer à faire le mouvement. Comme ça, le mouvement. Et aussi de suite, on fait le mouvement aussi à mesure. Vous allez voir que non, l'excitation va augmenter jusqu'à ce que non, la femme même va vous dire, voilà, arrêtez, j'ai besoin de passer au stade B, quoi, le stade de pénétration. Je pense que ça sera un moment, de plaisir que vous allez partager entre vous deux. Mais si on ne connaît pas vraiment, on ne connaît pas les corps de la femme, on ne sait pas comment entrer, comment réagir, et vous allez voir, beaucoup de hommes font cette erreur-là. Oui, ils rentrent et ils sortent. Ils rentrent et ils sortent, mais ils ne savent même pas si la femme a joui, si elle a trouvé du plaisir, c'est à quoi. Non, c'est la raison que vous allez voir que beaucoup de femmes aujourd'hui, ils n'ont pas envie de faire rapport sexuel. Pas seulement que non, c'est parce que l'homme qui partage avec... il ne trouve pas de plaisir, quoi. Donc, la femme peut rester comme ça. Et nous, les femmes, on connaît vraiment bien simuler. On va voir que non, la femme va simuler jusqu'à... ça devient
quotidien, ça devient normal, quoi, de voir que non, mon mari me fait l'amour, mais je ne joue pas. Et ça devient normal. Or, que c'est pas normal. Donc, si l'homme jouit, la femme aussi va jouir. Et c'est ça qui va faire que non, il y a le bonheur dans le couple et vous allez voir que non, la continuité, l'épanouissement, malgré que non, on reste toujours dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, quoi. Mais quand même, il faut faire plaisir à ta femme et la femme aussi doit faire plaisir à son mari. Et là, on va se quitter entre 50-50. Et c'est ça qui fait le bonheur du couple. Je pense que j'ai répondu à ta question. Et je vous invite de s'abonner sur ma chaîne YouTube que je suis en train de mettre en route, de Coach Love, donc Sarah. Et je vais être vraiment petit à petit absent parce que je suis vraiment absent ces derniers temps. J'ai vraiment, avec la maladie qui est Corona, et on a beaucoup de boulot, on doit travailler et souvent on n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps de préparer ou bien d'écrire les articles. Donc, je reste vraiment à l'écoute et j'attends votre commentaire sur mon site. Et je vous attends et je vous dis que non, la grâce de Dieu et que Dieu soit avec vous, qu'on se retrouve prochainement pour une autre question. N'oubliez pas de s'abonner et je vous dis merci et que la grâce du Seigneur soit avec vous. On va se quitter avec cette chanson et mon frère Emmanuel que j'aime bien. Merci pour vous, merci pour Rosie, merci pour Nouvelle-Jérusalem, merci pour Nouvelle-Jérusalem, merci pour votre présence. Donc, c'était un petit coaching que j'ai fait. Je suis en train de mettre sur mon YouTube, donc je voulais partager aussi sur ma page, donc pour savoir comment ça va aller et si ça marche ou ça va marcher. Le thème, c'était comment doter une femme avant la pénétration. Donc, je pense que j'ai répondu. Si vous voulez aller en profondeur, donc allez chercher l'article. Je vais publier l'article peut-être demain ou après-demain. Je suis en train d'écrire sur ça. Je vais publier et allez vraiment lire. Ça va vous aider. Ça va vous donner des pistes par rapport à la sexualité pour vous et votre femme. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, merci pour votre présence. Merci. Au revoir. Tonight.